Yes, là. Et la salaille. Donc, on se retrouve encore pour notre André. La Encore, on va. troisième fois, ouais, la troisième partie. Troisième fois. Mais là, il doit avoir quoi, 20 ans, même pas. Il est tout jeune, là. Peut-être pas 20 ans quand même. Enfin, pas peut-être un peu plus quand même. Non, regarde le trait de Mais. visage du gars. Il est très très jeune, hein. Je t'attends. Il est pas encore. Il est du même niveau que dans le 1, hein, dans la sortie de Ah temps. oui, c'est avant le 1, mais. Mais je dirais pas qu'il a. Tu vas te prendre une branlée. D'accord. Fais le malin! Fais le malin! Vas-y, hein! Comment est-ce que Bien ou moins bien? On me prend. Faites là, c'est mieux! Ça, c'est dans le 3 qu'il était ça. Sauf qu'ils l'ont vachement amélioré quand même. Tiens, d'accord, tu veux que je te montre comment on se bat? Attends, Drake, il en a. Enfin, il va en battre plus que. Plus Il dur que va toi. en baver Il surtout. Eldorado! Shambhala! Oui, c'est pour toi! Merde! Vas-y, viens! Aïe! Quoi? C'est déjà fini? Allez, viens! Bon, d'accord. Cette fois, t'es mort! Dans les mots qui disent que. Ah putain! Ça tue le doigt, ça. Il va te défoncer. Tu le tabasses, vas-y, tabasse-le! 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 Merde, il t'a pas laissé te tabasser. Il est vraiment jeune. Moi, je dirais, ouais, il a quand même. Moins de 30 ans, ça. Ah, c'est sûr, moi je dirais mon âge au plus tard, au plus vieux mon âge. Allez. Allez, quoi. Combien de temps je vais devoir coupir là-dedans? Hein? Et où sont les toilettes? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Gracias. Le problème avec le jeu, c'est que des fois tu vas avoir des épisodes uniquement de cinématiques. Presque, ouais. Presque, ouais. Là, on en a pour quoi? 10 minutes de cinématiques? 5? Dommage, j'étais en train de faire un 5-10 minutes? Ouais, mais bien, bien parti, réparti. T'as vu le nom du gars? Il s'appelait Vargas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bah t'enlèves le R, tu mets un L. Ouais, je sais, j'y ai pas pensé aussi. Je lui ai envoyé un message. T'étais dans Uncharted 4. C'est ça, quoi. Mais il est plus beau que toi quand même. Salopio. En plus, c'est un vieux dans le truc, dans le jeu, dans le truc. C'est humide aussi. Le mec qui t'a poussé en vrai. Ah non, c'est lui. Oh, c'est un ouais. Hein? Ah, c'est le gros Vargas. C'est celui qui est devant nous. En train de marcher. Et qui a une cam ici? Ouais. Ça, par exemple, dans un jeu vidéo, il n'y avait pas beaucoup, ça. Genre, les cams ici, on ne le voit pas. Ouais. C'est un des premiers que je vois avec une cam ici. Chez les héros, il n'y en a pas. Non, mais sur les ennemis, genre, c'est rare qu'on voit des. Ah ouais. Divertete. Je parle un peu espagnol, tu sais. Si, il y a Sully.
Il est un peu... Oui, non, il a quand même... il a beaucoup de cheveux, hein. Non. Laisse-moi rêver. On peut mettre l'agent 47, mais il y en a totalement, les gars, ici. Est-ce qu'il est chauve? Mais c'est pas... Je sais pas si c'est chauve ou plus, c'est plutôt rasé. Je crois qu'il est rasé, ouais. Bah, par rapport au niveau à l'épisode 1, il est surtout génétiquement modifié. Donc, il a jamais été cheveux, il a jamais été jamais cheveux, les cheveux longs, cheveux, hein, on va dire. Okay. C'est pas glauque du tout. Ouais. Attends. Alors, on se rapproche de la. Je sais pas, je trouve que ça ressemble pas au bureau du directeur. De l'endroit du trophée. Ah. Ouais, le trésor. Ouais. Le trophée, je veux dire, le trésor, ouais. Okay. Donc il faut chercher un trou. Non, mais pas encore, c'est dehors, quand tu seras dehors. Par là ? Ouais, mais je sais que je dois chercher un trou. Ouais. Un pour puits, pas passer à côté. Je vais te dire. On y est. Là, c'est magnifique. Okay. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi? Je veux en être. En être? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends, Vargas, le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit, ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avery. Tu sais de qui il s'agit? Avery était un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Le Gunsway. Ouais. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Les richesses du paradis. C'est une métaphore. Non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore. Alors je vais en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi. La lettre. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter? Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. Va pas te briser le cou. Ouais. Ouais. Allez, on y va. On descend. Je l'ai caché juste là, en dessous de la table de travail, à côté des caisses. Super, merci. On avance un petit peu, mais on est vraiment assez proche de la limite du fin de l'épisode. On est à 9 minutes. Ouais, 9 minutes. Voilà. On va jusqu'au deux, on fait les deux trucs et bon. On récupère le matériel. Non, parce que si on récupère le truc, on aura dépassé le truc. Oh, ben. Bah, il est là le trou. C'est ça ton trou? Non, on appelle ça un puits. Le puits, ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Désolé, mais il fallait que je le fasse. Mes trésors. Je t'avais tendu une perche tantôt, mais tu l'as pas... Ouais, mais sauf que c'était un peu mal lancé, le truc. Mal lancé? Ouais. Faut chercher quoi, un trou? On n'appelle pas ça un trou, hein, mais un puits. Tu veux que je te vase? C'est ça qu'on le voyait pas encore, donc c'était pas... Ah. Je cherche toujours la petite bête, hein. La petite bête.
On peut... Ah ouais, attends. Oh putain. J'ai... je voulais sauter et quand la cinématique s'est lancée, j'ai eu peur. On s'arrête là, non? Ouais. Je monte juste la première fois utilisation du grappin. Tan 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 tan. Tu nous fais quoi là? Ça fait déjà la chose? Ouais. Donc ici c'est un tout petit épisode, mais bon, comme on a dit, si on suit l'optique du épisode de 10 minutes, c'est comme ça. Sauf si on a des retours de beaucoup de personnes, 3 personnes quoi. Au moins. Qui nous disent c'est mieux de l'avoir en une seule brique. Ou en tout cas des briques plus longues. Ça vous de nous dire. Donc merci de nous avoir regardé. Ah oui, par contre, pour Tomb Raider, on va le terminer. C'est juste que pour l'instant, je n'ai plus ma Xbox One, donc je ne peux pas le terminer pour l'instant. Mais il reviendra incessamment sous peu. Ouais, c'est bien merci de préciser. Ouais. Merci de nous avoir regardé. Et à tout, et n'hésitez pas à partager la vidéo. Ouais, ben on va faire un quatrième. Mais on partage quand même cette vidéo. Ça dure aussi. Ouais, parce qu'on a oublié de le dire aux autres, mais partagez cette vidéo quand même. Merci et à plus tard. À plus tard, ouais. Bye. Tout de suite.